Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique qui s'appelle « Transformation d'un gaz parfait ». Donc, comme d'habitude, je vous laisse lire l'énoncé pour ceux qui ne l'ont pas cherché, essayer de répondre aux questions et ensuite suivre la correction. Donc, on nous dit dans cet exercice qu'on fait passer une certaine quantité de gaz parfait. Donc, ça, c'est important, le fait que le gaz soit parfait va nous permettre d'écrire la loi des gaz parfaits, d'un état d'équilibre A, qui est représenté ici dans le diagramme PV sur ce point rouge, à un autre état B, que je vais représenter par le point violet. Et on me dit qu'il y a deux manières de passer de A à B, soit en passant par une transformation isocore via un point C, puis une transformation isobare, soit directement par une isotherme réversible AB. Donc si on représente un petit peu le problème, on a donc l'état A qui est ici, en rouge, avec comme variable d'état VA, TA, PA est donc la quantité de matière petit n, et on peut passer donc de A à B via une transformation qui est isotherme, d'après l'énoncé, c'est la transformation qui s'appelle bêta, et donc on arrive avec les variables d'état VB, TB qu'on va me demander de calculer, PB qui est supposé être connu, puisque c'est 3PA, d'après l'énoncé, et la quantité de matière qui est inchangée. Et simplement, on peut passer de cet état A à l'état B par un autre état intermédiaire qui s'appelle l'état C, pour lequel je vais appeler les deux transformations alpha 1 et alpha 2. La première, elle est sans isocore, et la deuxième, elle est isobare. Et donc, l'état C, il est tel que on arrive à un volume VC, une température TC, une pression PC, et la quantité de matière. J'ai mis le même N partout, puisque le système, il est fermé. Donc N ne peut pas varier. Voilà. Donc on me demande de déterminer TB et VB. Donc on va utiliser pour cela le fait que certaines transformations sont isothermes, isobares et isocores. Donc bêta est isotherme. Donc par définition de la transformation isotherme, donc on a directement que TB est égal à TA. Ça c'est immédiat. On a ensuite le fait qu'on me demande VB. Donc pour déterminer VB, on va utiliser le fait que la transformation alpha 2 est isobare, par exemple. On peut aussi utiliser le fait que alpha 1 est isocore. Donc VC égale VA. Je vais essayer de compléter un petit peu partout mon diagramme. Ici, on a que alpha 2 est isobare. Donc, PB égale PC égale 3PA. Et donc, de cette manière-là, je vais pouvoir déterminer mes variables manquantes par loi des gaz parfaits. Donc, loi des gaz parfaits, on peut l'écrire en B. Donc, en B, ça nous donne que PB VB est égal à NR TB. Sauf que N est le même partout, donc on va pouvoir l'écrire aussi à l'aide de l'état A. Donc moi je cherchais, on me demandait de trouver VB. Donc VB c'est égal à NR TB sur PB. C'est donc égal à NR, on a trouvé que TB est égal à TA sur 3PA. Et c'est donc égal à 1 tiers de NR TA sur PA. Ce qui par application de la loi des gaz parfaits dans l'état A donne évidemment VA. Ça, c'est la loi des gaz parfaits en A. Donc, on trouve que VB est égal à VA divisé par 3. Voilà, donc là, on a déterminé de cette manière-là toutes nos variables d'état dans l'état B. Alors, pour information, on aurait pu calculer TC, on n'en aura pas besoin dans cet exercice, mais on pourrait calculer TC à l'aide d'une loi des gaz parfaits en C, et faire intervenir tout simplement le produit PAVA, et on trouverait en fait que TC est égal à 3T1, si vous faites le calcul. Très bien. Okay. Donc on nous demande ensuite de déterminer les travaux reçus par le gaz au cours des transformations alpha et bêta. Donc on va faire déjà pour alpha. Donc W alpha, c'est égal à W
alpha 1 plus W alpha 2. Alpha 1 est une transformation qui est isochore. Donc comme toute transformation isochore, on n'a que le travail des forces de pression est nul. Et alpha 2 est isobar. Donc le travail de alpha 2 qui est égal à moins l'intégrale de la pression extérieure dV entre... Donc alpha 2 c'est celle qui nous mène de C à B. Donc de VC à VB. Comme c'est isobar, la pression est constante. Donc ça fait moins l'intégrale de VC à VB de PC dV. Donc PC est égal à tout simplement 3PA. Et donc ça va nous faire moins 3PA, facteur de VB moins VC. C'est-à-dire moins 3PA, facteur de VB qui est égal à VA sur 3. Moins VC qui est égal à VA. Ce qui nous fait moins 3PA fois moins 2 tiers de VA, ce qui nous fait 2PAVA. Donc on trouve un travail qui est positif, ce qui est cohérent, hein, car on a une compression. On est passé d'un volume plus grand à un volume plus petit. Pour bêta, la transformation elle est isotherme. Donc comme elle est isotherme, elle peut être supposée quasi statique. Et donc comme elle est quasi statique, eh bien à tout instant, on peut écrire que Pext égale P. Donc le travail le long de la transformation bêta, qui est égal à moins l'intégrale de VA jusque VB de P extérieur dV, eh bien, je peux écrire que c'est moins l'intégrale de VA à VB de PDV. Et comme maintenant la pression, ça c'est la pression du gaz, je peux appliquer la loi des gaz parfaits. Donc ça fait moins l'intégrale de VA à VB de NR TA dV sur V. La température est inchangée. T égale TA... tout au long de bêta, puisque la transformation est isotherme. Et donc je vais pouvoir sortir la température TA, ça fait moins NR TA intégrale de VA à VB de DV sur V, ce qui fait apparaître un logarithme, ça fait moins NR TA ln de VB sur VA, sauf que VB, on a dit tout à l'heure que c'était égal à VA sur 3, donc ça fait plus moins NR TA ln de VA sur 3, donc de 1 tiers, ce qui fait plus NRTA ln de 3. Donc ici, on observe bien que le travail n'est pas le même le long de la transformation alpha ou bêta, ce qui est cohérent, puisqu'ici, on a des travaux, des forces pressantes, qui sont des forces non conservatives. Donc le fait d'avoir suivi un chemin différent nous donne un travail qui est à la fin différent. Dans les deux cas, on trouve bien quelque chose de positif, ce qui est cohérent vu que c'est une compression, mais on a bien un résultat différent. Donc voilà pour cet exercice qui n'est pas très difficile, mais qui est assez important de maîtriser dans le début de l'apprentissage d'un bloc de thermodynamique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.